Bonsoir Angela. Good evening, Vincent. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir la Coupe du Monde. Good evening, everyone, and welcome to the award ceremony here at the World Pastry Cup for 2015. Merci à vous tous, merci les amis, merci à tous nos partenaires qui sont avec nous sur scène et merci surtout à ce public large et nombreux d'être resté avec nous pendant ces deux jours pour assister aux épreuves de la Coupe du Monde depuis hier matin. Thank you all so much for coming and joining us here at this momentous occasion here at the World Pastry Cup. We have had a wonderful 2 days for this edition with 3 new countries that were joining us here at this World Pastry Cup. Ah oui, mes amis, quelle émotion depuis hier matin, pendant toutes ces journées, avec des rires, des pleurs, des soucis, du stress, de l'émotion positive, de l'émotion angoissante, du stress, du suspense. Et tout va se résoudre dans quelques minutes. Mais avant d'aller demander ce palmarès à ceux qui détiennent les enveloppes remplies des noms des gagnants, je vais vous demander d'accueillir sur scène les acteurs de ce concours, les acteurs de cette 14e Coupe du Monde de pâtisserie. J'ai nommé la directrice du CIRA, Madame Marie-Odile Fondeur, que je vous demande d'applaudir. Please welcome out the director of CIRA, Marie-Odile Fondeur. Bonsoir Marie-Odile. Nous allons demander également au président de JL Events, notre hôte, Monsieur Olivier Ginon, de nous rejoindre. And welcome out the president of JL Events, Olivier Ginon. Il nous fait l'amitié dans son emploi du temps extrêmement chargé de passer par la pâtisserie maison. On va demander au président d'honneur de ce jury, Monsieur Higinio Massari, de bien vouloir venir sur scène. And welcome out the president of honor, Higinio Massari. Vous êtes familier de son visage. Il était le président du jury international, dernier vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie avec l'équipe de France, Quentin Bailly. And welcome out the president of the international jury, the winner from 2013, Quentin Bailly. On peut être un ancien lauréat et continuer d'œuvrer pour le concours. C'est le cas du président du comité, Pascal Molines. And welcome out the president of the organizing committee, Pascal Molines. Et enfin, son visage vous dit forcément quelque chose. Vous êtes familier de son humeur égale toute la journée, une forte tête, quelqu'un que l'on aime, que l'on apprécie. Il est le président fondateur de ce concours, Monsieur Gabriel Payasson. Let's have a huge round of applause as we welcome out the president and founder of the World Cup of Pastry, Gabriel Payasson. Mesdames et messieurs, avant d'entamer cette remise de prix, on va demander à Marie-Odile Fondeur, qui est directrice du CIRA, de nous dire un petit mot d'accueil. Chère Marie-Odile. Bonsoir à tous. Le CIRA booste cette profession depuis 1989 et met à disposition des pâtissiers une tribune de plus de 3000 places. Nous sommes très fiers du niveau atteint aujourd'hui par la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et merci à Gabriel Payasson et à tout le comité d'organisation. Merci Marie-Odile. Gabriel, puisque Marie-Odile t'a passé la parole, en définitive, je te donne le micro pour à ton tour remercier nos amis, peut-être nous accueillir dans ce temple de la pâtisserie internationale. Merci. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous et compliments d'être présents parmi nous. Alors, Gabriel wants to congratulate you for being here with us since yesterday. Alors, la réussite d'un événement tient sur 3 choses. Les organisateurs de salons, tels que le groupe Ginon, merci Olivier, merci Marie-Odile. Les partenaires, parce que sans partenaires, on ne fait rien.
et puis cette belle profession qu'est la pâtisserie. You need three main ingredients for success. First of all is the organizers, and thank you to GL Events and Sarah. The second one is, what do you say again? I was talking about, I forgot. The partners, of course, the sponsors. Thank you for all of us being here. And third ingredient is the pastry chef that we admire every day. Une fois que ces trois tiers sont réunis, mais vous découvrez une 14e Coupe du Monde avec 21 nations qui nous ont régalés pour le palais, pour les jurys qui ont dégusté, et régalés par les yeux pour celui qui a admiré les buffets et les pièces en glace à l'entrée. When you have these three ingredients, it gives you the main recipe, the best recipe you could get in pastry, the 14th Pastry World Cup, with all the success that you've been admiring since yesterday. Alors tout cela ne se fait pas tout seul. Il y a un formidable comité d'organisation avec Pascal à sa tête. Merci Pascal. I would like to thank the wonderful organization committee under the presidency of Pascal Molines that you met. Il y a des merveilleux présidents de jury qui sont, comme on dit à Lyon, arc-boutés pour que tout se passe bien. 21 nations and 21 presidents of the jury. Et puis un concours sans candidat, c'est rien. Donc moi je voudrais qu'on applaudisse quand ils vont arriver tout à l'heure, très très fort, les 21 équipes avec leurs candidats. And Gabriel says no contest without candidates, and he wants to welcome and congratulate all the candidates, the 21 candidates and 21 teams present. Alors il est vrai qu'il y aura un premier, un deuxième, un troisième. Ça fait partie de toute compétition. Mais je peux vous garantir que dès maintenant, c'est la pâtisserie qui a gagné. There will definitely be a gold medal, a silver medal, a bronze medal. But the winner is pastry. La rencontre de toutes ces nations est véritablement une leçon pour ceux qui veulent tout démolir. The meeting of all these nations is a real lesson to us all. To us all. Merci à tous. Thank you to everyone. Thank you for being here. Merci, Gabriel. Il n'y a pas de concours comme celui-là. Il n'y a pas de concours comme celui-là sans un quatrième point. Le quatrième point, c'est Gabriel Paillasson. Et on l'applaudit très fort. Gabriel Paillasson, le président fondateur de la Coupe du Monde de pâtisserie. Après de nombreuses années, le niveau de qualité qui est arrivé après le travail fantastique de l'équipe d'organisation, mais Gabriel Paillasson a su, d'une manière permanente, avec sa conviction forte, sa passion, son caractère, on aime, et toute sa volonté quotidienne, mensuelle, annuelle, pour nous apporter à ce niveau. Et notre groupe le remercie très chaleureusement ce soir. Merci. Aveline Ginon wants to thank deeply and warmly Gabriel Paillasson for all it did since 20 years and even more, starting in 1989. Hein, on a commencé ici. Ah oui, c'est ça. On était tout petits. Et voilà, quand ce beau concours a pris son envol, regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un vrai rendez-vous pour la pâtisserie venue du monde entier, pour les meilleurs pâtissiers. Oui, Gabriel. Ce qui prouve que quand on se réunit, quand on se met tous ensemble, on arrive à faire de grandes choses. Merci. Merci, merci à tous. Alors, pas de concours comme celui-là sans sponsors, sans partenaires. Et je voudrais tout d'abord nommer et féliciter le principal sponsor fondateur, c'est la maison Valrhona. Et je vous demande d'applaudir.
We would like to thank our main founding sponsor, Verona. Avec la présence de Jean-Luc Lizot qui est là. Qu'on salue et toute son équipe. Un autre main sponsor, un partenaire de grande importance, c'est évidemment depuis si longtemps la maison Ravi Fruits, que l'on applaudit également. And of course, a huge thank you to our main sponsor as well, Ravi Fruits. Vous savez, comme ce concours est stable en tenant un pied sur le chocolat, un pied sur les fruits, et avec une maestria des pâtissiers qui se sont affrontés depuis hier, ça donne des choses absolument fantastiques. Je peux vous dire que ça tourne énormément dans le public. J'ai vu beaucoup de pâtissiers venir se ressourcer, on va dire, retrouver des idées en regardant le travail des pâtissiers venus du monde entier. Des partenaires, c'est important. Et je voudrais également que vous applaudissiez la maison Convoterme, groupe Manitowoc. And a huge thank you to our partners, Convoterme, groupe Manitowoc. Également, bravo, bravo France. Including bravo, bravo France. Également, la maison Aviland, avec des belles assiettes. Et plein de services. For the beautiful plates we saw today for Haviland. Et puis, d'autres membres qui sont présents et chacun a son importance. KitchenAid, par exemple. Bragard, il y a qu'à voir comment on est habillé, comme nous sommes chics. L'Institut Paul Bocuse, et on les remerciera encore de leur aide précieuse. Nespresso. Dobla. Sosa, vous pouvez les applaudir. Debic, debic.com. Silder, Tiversecker. Et Griotine, ça c'est Fougerolles. Et enfin, Rhône-Alpes Gourmand. And that's a huge thank you to our members. Je voudrais également citer les fournisseurs tels que American Pistachio, les producteurs de pistaches venus d'Amérique. And it's a huge thank you to one of our providers. Et les voitures officielles de Magnifique DS, de Citroën, avec la participation de Marel, Forest et Canon. And a thank you to our official car, Citroën DS, with the participation of Marel, Forest and Canon. Angela, on va maintenant appeler les membres du comité international d'organisation. Alors, Pascal Molinès est déjà là sur scène avec nous, il en est le président. Mais je vais vous demander une vraie ovation, de gros applaudissements pour ces hommes qui sont là depuis l'aube, pendant 2 jours, pour faire en sorte que ce concours tourne le mieux possible. J'ai nommé les membres actifs du comité d'organisation, messieurs Patrick Chevalot. And please welcome out the members of the International Organizing Committee, without whom this would not be possible. First up, Frédéric Deville. Frédéric Deville. Michel Deville. Michel Deville. Thierry Froissart. Jean-Philippe Gay. Jean-Marc Guillot. Claire Heitzler. Édouard Hirsinger. Geoffrey Lefontaine. Jérôme Langillier. Ludwig Mercer. Bruno Mocudiol. Angelo Musa. Philippe Rigolo. Alan Rolanzi. Et Christian Salambier.
Ben, je crois qu'ils sont tous là. Je vois que ça bouge encore derrière. Non, ça va. Voilà, plus les membres honoraires qui vont rentrer sur le plateau. J'ai vu tout à l'heure certains. Messieurs les membres honoraires, on vous attend si vous voulez bien entrer. And please welcome Regardez. Out the honorary members. Ils sont là. Gérard Moine-Bressan, Marcel Bognot, Michel Violet. Voilà les membres honoraires de ce comité d'organisation qui les représente tous. Si vous étiez avec nous hier et ce matin, vous avez vu certainement quatre personnes qui se tenaient à une table sur le côté gauche pour vous de l'espace scénique. And we'd also like to welcome out some very important members from our press jury who had a very difficult job over the past 2 days that we're tasting for the chocolate desserts as well here. Voilà, c'est le jury presse. Je vais vous demander de les applaudir. Caroline Mignot, de tableadécouvert.fr. Anna Beatrice Morales, de gaytiming.com, site guatémaltèque. Sakota Nagai, pour Café Sweet, site japonais. Et enfin, Tove Oskarsson Enkel, suédoise de gourmet.se. J'aimerais également que vous fassiez une ovation à des jeunes gens qui sont représentés ici par leurs professeurs. Ce sont les équipes du service de l'Institut Paul Bocuse, représentées par Philippe Rispal et Alain Auvergne, leurs professeurs. And please welcome out the instructors from the Institute of Paul Bocuse. Je sais que vous aimez bien savoir les secrets de coulisses. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que les jeunes ne sont pas là? Eh bien parce qu'ils étaient obligés de rentrer pour subir encore une formation ce soir à la bougie, pour revenir demain servir le Bocuse d'or. Et donc, on a préféré qu'ils aillent se reposer pour être en forme demain matin. Parce que les jeunes, on sait que ça se fatigue plus vite que les vieux comme moi. Donc, on les a renvoyés à l'Institut se reposer un petit peu. Mais les professeurs sont encore là. Merci, messieurs. On va maintenant faire rentrer sur scène les 21 équipes, les 21 délégations qui ont été la cheville ouvrière de ce concours depuis hier. C'est incroyable. Autant de nations qui ont concouru d'abord dans leur pays, puis à un échelon continental avant de se retrouver ici en finale à Lyon. And we would now like to invite out the 21 countries that have participated with us at this World Pastry Cup. It was definitely a world stage over the past 2 days. Je vais vous demander de les applaudir tandis qu'ils entrent sur l'espace scénique. On commence par l'équipe de Chine. Welcome out, Team China! Veuillez accueillir l'équipe de Corée du Sud. Welcome out, Team South Korea! Merci d'accueillir l'équipe de Tunisie. Come on out, Team Tunisia. Faites une ovation à l'équipe de Suisse. Welcome out, Team Switzerland. Merci d'applaudir l'équipe du Danemark. Welcome out, Team Denmark. Une ovation pour l'équipe d'Algérie. Welcome out, Algeria.
Voici maintenant l'équipe des Philippines. Come on out, Team Philippines. Je demande d'accueillir l'équipe de Colombie. Come on out, Team Colombia. Voici venir maintenant l'équipe de Taïwan. Come on out, Team Taïwan. Merci d'accueillir l'équipe du Maroc. Welcome out for Team Morocco. Applaudissez l'équipe de Singapour. Come on out, Team Singapore. Voici l'équipe du Guatemala. Welcome out for Team Guatemala. Merci d'accueillir l'équipe de Malaisie. Welcome out for Team Malaysia. Une ovation pour la 14e participation des États-Unis d'Amérique. Welcome out for Team USA. Merci de bien vouloir accueillir le Royaume-Uni. Welcome out for Team UK. Je vais vous demander d'applaudir l'équipe de Suède. Welcome out for Team Sweden. Un grand bravo à l'équipe d'Argentine. Come on out, Team Argentina. Accueillons ensemble l'équipe du Japon. Welcome out, Team Japan. Un grand bravo pour l'équipe du Mexique. Welcome out, Team Mexico. Je vous laisse accueillir l'équipe d'Italie. Welcome out, Team Italy. Thank you.
Et enfin, merci d'accueillir l'équipe d'Égypte. And welcome out Team Egypt. Il ne manque presque plus personne pour continuer la fête de la pâtisserie. Je vais quand même demander à des personnages très importants de ce concours, nos huissiers, Maître Boucharla et Perrier, de venir nous rejoindre avec les enveloppes, les fameuses enveloppes. Je vous demande d'applaudir les huissiers. And please welcome out a very important person for us. Parce qu'ils ne font pas beaucoup de bruit, mais je peux vous dire qu'ils sont là toute la journée à surveiller que cela se passe selon les règles. Et c'est très important. Et il va y avoir maintenant la remise du vase de Sèvres de M. le Président de la République pour l'équipe qui a totalisé le plus de points dans la présentation des buffets de présentation, des pièces artistiques. And the next award that we would like to give out would be the award for the vase de Sèvres, which is the prize for the team with the most points for the buffet. Alors, je vais demander à monsieur Jean-Louis Amat, directeur de cabinet du préfet de région Rhône-Alpes, de bien vouloir nous rejoindre. Voilà. Merci monsieur Amat, merci d'être avec nous. Venez, on va immédiatement demander voilà, l'enveloppe et le vase. L'enveloppe, on va la donner à Gabriel parce que demain, c'est peut-être beaucoup trop. Hein. Voilà. First, we'd like to invite to the stage to give out the prize for the vase de Sèvres, Jean-Louis Amat, the director of the staff of the governor of the Rhône-Alpes region. Parce qu'on a cherché, comment on disait, préfet en anglais, j'ai dit governor. Hein, c'est bien. Sûr. Le vase de Sèvres est remis à l'Italie. Italy! Come on down, Italy! Congratulations, merci Italy, on the vase de Sèvres prize. Vous voulez faire la photo avec le vase de Sèvres. Alors j'aimerais vous rappeler, puisque pendant que les photographes vont prendre des clichés de l'équipe d'Italie avec le vase de Sèvres du président de la République, j'aimerais vous rappeler l'importance de ce vase qui est remis vraiment en titre honorifique par la présidence de la République. Et cela prend toute son importance lorsqu'on sait que cela récompense les pièces de buffet artistique et que l'Italie, au moment d'envoyer ses derniers desserts, a cassé sa pièce en chocolat qu'elle a dû refaire en à peu près un quart d'heure avec toute l'habileté du travail de cette équipe. Donc s'il remporte ce prix, ça n'a que plus de valeur. Et je vous demande de les applaudir très fort, les Italiens. And an amazing job for Team Italy, who pulled out all of the stops despite having a few problems in the kitchen earlier today. An amazing job for Team Italy. Alors, je veux passer la parole à Monsieur Amat. Écoutez, je vous remercie. Non, j'étais très fier de le remettre au nom du président de la République, un symbole de du savoir-faire français en matière de céramique et de porcelaine, mais donc pour une œuvre là qui n'est pas éphémère, sauf si on la laisse tomber. À la différence des œuvres que nous saluons aujourd'hui. Donc félicitations à tous les lauréats et puis j'associe donc effectivement le président de la République à la félicitation pour les organisateurs de cette magnifique exposition, ce magnifique concours. Félicitations à tous. Merci, merci Monsieur Amat et on est toujours très fiers d'avoir une partie de ce concours sous l'égide de la présidence de la République. Ça ne donne que plus de lustre. Depuis 2005, voilà. La présidence ne nous a pas laissé tomber depuis 2005. Ben ça fait un moment, ça fait 20 ans. 10 ans. Ouais, non, mais je ne suis plus compté, moi, tu sais, au bout du... Mesdames et messieurs,
le temps est venu de remettre les 3 médailles de bronze, d'argent et d'or aux équipes qui vont se retrouver sur le podium. Avant de remettre les prix, moi, je voudrais remercier des personnes que l'on ne voit pas. Le service de sécurité qui est d'une gentillesse remarquable et qui nous ont fait un boulot fabuleux. L'entretien, l'équipe de la Coupe du Monde avec Lucia et toute sa bande joyeuse. Oui, parce que c'est eux hein, quand même qui prennent les coups, comme souvent. Quand je prends un coup de gueule, c'est eux qui l'ont. Alors, bon. Alors bien les applaudir et bien entendu... toute la presse qui a permis à nos jeunes de venir dans nos labos, pousser la porte du laboratoire pour apprendre un métier avec lequel ils sont garantis de gagner leur vie, de fonder une famille, de créer une entreprise et de partir à l'international. Merci à eux. Chère Marie-Odile, cher Gabriel, messieurs, mesdames, cher public, nous allons maintenant commencer avec le palmarès en remettant le 3e prix, la médaille de bronze. Je vais demander à Eugenio Massari de rester avec nous, de Quentin Bailly qui remettra les diplômés Pascal Molinès. Et nous allons immédiatement demander à Maître Bouchard là de remettre l'enveloppe contenant le nom de la 3e marche du podium à Gabriel Paillasson. So ladies and gentlemen, we have come to the time to give out the 3 podium awards, starting from the bronze medal. So we would like to have Eugenio Massari, Quentin Bailly, and Pascal Molinès here into the front, and Gabriel Paillasson to do the honors of opening the envelope, please. La médaille de bronze va à... États-Unis. USA! USA! Congratulations, you have won a bronze at the World Pastry Cup 14th edition. Pour la 14e participation, Team USA goes on the podium. Congratulations, gentlemen. Voilà, une très belle équipe des États-Unis, très homogène, toujours emmenée par son président Gilles Renusson, qui met beaucoup de cœur à préparer les meilleures équipes possibles pour se retrouver ici, à Lyon, en finale. On peut applaudir l'équipe des États-Unis. Très belle équipe des États-Unis, très beau dessert. Gabriel, on continue. Un escalier, ça se monte. On va passer une marche supplémentaire vers le haut. Mesdames et messieurs, le moment est venu de remettre la médaille d'argent. 2e marche du podium. Ladies and gentlemen, are you ready for the silver medal winner? I know. They just stopped the music as soon as I started speaking. Our timing is off. Alors, cette médaille d'argent, on va demander à Maître Perrier. Ah non, c'est Maître Bouchard là, qui va venir nous remettre également l'enveloppe. Gabriel. C'est Marie-Odile Fondeur qui va annoncer la 2e marche du podium. Le Japon. Japan! Congratulations to Japan on your silver win here at the World Pastry Cup.
Congratulations, Team Japan. Bravo, équipe du Japon, toujours présente, avec un travail magnifique. Et souvent des podiums, hein, et des beaux podiums. Ce qui prouve la régularité du travail et la régularité de la formation chez eux. Mais traditionnellement, c'est une grande nation pâtissière, le Japon. Même si les goûts sont différents de nos goûts occidentaux, ils ont su s'adapter et ils savent tout faire. Et quelle précision dans le travail. Bravo le Japon. On peut les applaudir, bien entendu. Japan has a long-standing history in the pastry world with very detailed work. Pour nous qui avons le culte du vainqueur, de la gagne, je crois qu'on ne se rend pas très bien compte ce que c'est déjà d'être sur le podium, troisième et second, au milieu de 21 équipes. C'est déjà... un achievement, comme on dit en anglais, c'est déjà un but atteint absolument extraordinaire. Et je comprends l'émotion de ces jeunes pâtissiers qui sont aujourd'hui derrière nous sur ces deux marches de podium. Mais l'émotion va être à son comble, puisque nous allons maintenant remettre dans un instant le premier prix, la médaille d'or. Ah oui, hein? I don't think the audience is in suspense enough to give out the gold prize yet. They're on their feet. At least they're on their feet, or at least some of them are. So maybe to build some suspense, we should have some people come up and join us on stage. That's a good idea. Oh, yeah. Who's talking? Alors, always Italy. On va demander à nos partenaires historiques, our main sponsors, de nous rejoindre sur scène pour faire monter un petit peu la mayonnaise. Je vais demander à Jean-Luc Grisot, le directeur général de Valrhona, de venir avec nous. Please welcome to the stage one of our main sponsors and founders from Verona, Jean-Luc Grisot. Jean-Luc, on peut pas dire que ce soit la première fois que tu te retrouves ici. Puisque toi aussi, tu es un habitué de ce podium. En fait, tu es à chaque fois sur le podium. Sept Coupes du Monde. Sept Coupes du Monde, oui. Tes impressions, j'ai envie de dire, puisque à chaque fois, tu viens au moment de l'intensité maximale. Eh bien, je trouve la fête toujours plus belle. C'est une magnifique manifestation de la pâtisserie. Mon bonheur aujourd'hui, c'est de voir les pays qui ont atteint le niveau de la finale. L'Algérie, les Philippines, la Tunisie, le Guatemala, extraordinaire, extraordinaire. L'Argentine, avec quelle équipe le Guatemala? Bravo à vous. Et ce qui veut dire qu'en termes de pâtisserie, il n'y a plus de petits pays, Gabriel. Il n'y a que des beaux pays de la pâtisserie où on peut s'exprimer. Ça, c'est vraiment super. Et puis, j'ai une autre grosse satisfaction. C'est merci à Gabriel, merci au comité d'avoir pensé à travailler sur un bloc de chocolat. Et les sculptures chocolat, ça a été une vraie innovation pour cette Coupe du Monde. Et bravo pour le magnifique travail réalisé par les 21 équipes. Bravo à tous. Merci, Jean-Luc Grisot. On applaudit Eva Lrona pour être aussi fidèle à la Coupe du Monde de pâtisserie. On va demander à un autre partenaire essentiel, je vous l'ai dit, c'est... voilà, il n'y aurait pas non plus de Coupe du Monde de pâtisserie sans les fruits, et les fruits chez nous, c'est Ravi Fruits. On va demander à Michel Rouchaud de nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir, il est directeur commercial de Ravi Fruits. And please welcome up another main sponsor, Ravi Fruits. Moi, je comprends quand je vois le visage de Michel, pourquoi il y a Ravi dans le nom de la société. Quand on fait d'aussi beaux fruits, on est forcément ravi, Michel. Et oui, c'est le naturel. Et c'est le naturel, j'adore. Et voilà, tranquille.
Là aussi, Ravi Fruit est présent à chaque fois. Et vous avez vu vraiment ici travailler vos produits de la meilleure façon qui soit. Alors en effet, moi je suis le nouvel arrivant, je n'ai pas toute cette expérience, mais je tenais à dire toute la reconnaissance que je peux avoir à ce métier, à ces personnes qui sont investies, qui prennent des risques, qui sont engagées, et puis qui portent des valeurs, je dirais, d'amour gourmet de la pâtisserie. Comme l'a dit Gabriel, je crois qu'ils ont la foi sucrée. Voilà, le goût et la foi. Merci, merci Michel, merci Gabriel. Tous les acteurs sont présents. C'est maintenant que le suspense commence. Lorsque cet homme aura l'enveloppe entre les mains, le destin d'une équipe qui ne le sait pas encore sera scellé. On va demander à notre huissier. Is the audience ready now? Are you guys ready for the gold winner announcement? Je demande le silence. Vincent demands silence. And there is no paper inside. Bah, tu décides. Ah oui, dis donc, c'est vrai, il n'y a rien dans l'enveloppe. Rien. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu décides. On décide. L'Italie. Mesdames et messieurs, pour l'Italie, laissons éclater notre joie. Congratulations to all three of our teams, the winners of the bronze, silver, and gold here at the World Pastry Cup 2015.
Mesdames et messieurs, je vais vous demander un petit peu de silence. Nous allons écouter ensemble, levez-vous s'il vous plaît, l'hymne national italien. If we could have a little silence for the national anthem of Italy. Bien, alors maintenant je vais demander, s'il vous plaît, gentlemen, amici, vous restez sur le podium et on va faire des photos avec les sponsors, un à un. On commence par Valrhona, s'il vous plaît Michel, merci. On commence par Valrhona, ensuite Ravi Fruits et ensuite les sponsors dans l'ordre de l'entrée sur scène. So gentlemen, just stay on the podium for a little while we take photos with all of our sponsors. Merci, je demande à tout le monde de rester. On va faire une photo des vainqueurs sans les partenaires, juste les vainqueurs. Voilà, juste les vainqueurs. Gentlemen, whoop. Pictures, smile, cheese, be happy. C'est bon? C'est bon. La maison Ravi Fruits, s'il vous plaît. Everyone from Ravi Fruit, please, to take a photo. Dépêchez-vous, Michel. Venez, Ravi Fruits. Devant le chèque. Je crois que c'est votre prix comme ça. Mettez-vous là, Ravi Fruits. Non, serrez-vous s'il vous plaît, venez. Attention, on regarde la photo, on regarde l'appareil, on regarde le photographe. Si on ne le voit pas, on n'est pas dessus. Merci beaucoup, je vous demande de vous rasseoir. Convoquez un groupe Manitowoc. Ah bah t'es tout seul François ? Bah vas-y. Aïe oh, il y a notre ami qui est là. Mets-toi au milieu. Voilà. On regarde les photographes s'il vous plaît. Watch the photographers, thank you. Smile a little, thank you. Merci François, merci. Bravo France.
Allez, on dépêche. Ah, ils sont contents, bravo, hein. Mais évidemment, Giuseppe, quel succès. Bon, vous voulez vous mettre sur la photo, au lieu de vous congratuler? Merci. Voilà, photo, bravo France. Havilland, merci, merci beaucoup. La maison Havilland. Regarde.
Merci.